Salam alaikum, j'espère que vous allez kamel kamel bien et vos révisions avancent. Alors je sais que cette deuxième année est vraiment chargée, mais j'espère que ma vidéo t'a comme l'envie de t'aider, surtout la physiologie, coefficient de et donc de t'aider bien l'examen. Et c'est parti! Alors dans cette vidéo, vous allez remarquer que je vais un peu vite dans certaines choses que vous connaissez et je vais un peu tarder sur les choses difficiles. Alors, le système nerveux autonome est une partie du système nerveux périphérique. On sait qu'il y a le système nerveux central ou périphérique. Donc, le système nerveux périphérique, il trouve le système nerveux autonome, d'accord? À l'instar du système nerveux somatique, il contribue au maintien de l'hémostasie en régulant de nombreux processus physiologiques et métaboliques. Alors, il va innerver les viscères, c'est-à-dire les organes, l'intestin, l'estomac, etc. Les muscles lisses, les muscles lisses et les muscles striés. Les muscles striés, ce sont les muscles squelettiques, tu as les organes d'accompagnement supérieur et inférieur. Et les muscles lisses, par contre, par exemple, tu as l'estomac. L'estomac, c'est un muscle lisse. Le muscle de la vessie, c'est un muscle lisse. Il va innerver. Il va innerver aussi le cœur et les vaisseaux. Mais attention, le cœur, l'innervation tao. C'est-à-dire les systèmes nerveux autonomes, il y a la contraction telle le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque a une contraction autonome, c'est-à-dire il marche seul. Et donc, par le nœud sinusal, bien sûr. Donc, le système nerveux autonome, c'est régulé. Soit il donne une tachycardie, soit il donne une bradycardie. D'accord? Mais il ne va pas provoquer les contractions. Voilà. Son action est involontaire car il ne nécessite pas l'intervention de la volonté. C'est un système effecteur qui va effectuer certaines actions. Bien sûr, il m'a parlé qu'il y a deux systèmes, le parasympathique et le sympathique, l'orthosympathique, donc orthosympathique ou sympathique, c'est la même chose, ok, le système parasympathique. La plupart des organes reçoivent une double innervation, mis à part les glandes sudoripares, les muscles pilomoteurs et quelques vaisseaux strictement orthosympathiques. C'est-à-dire que comme les organes, par exemple, il y a l'estomac, un homme une double innervation. Une innervation parasympathique et une innervation sympathique. Alors, chaque organe a une double innervation, parasympathique et sympathique, sauf que il y a certains éléments dans le corps qui sont en innervation strictement sympathique. C'est-à-dire, toujours le système sympathique, c'est le système qui a le stress. Et donc, les glandes sudoripares, par exemple, le redet de l'araqia, qui sont en stress, et du coup, les glandes sudoripares ont une seule innervation sympathique. La même chose pour les muscles pilomoteurs, ce sont les muscles qui innervent les poils, voilà, char. Donc, et quelques vaisseaux sanguins, voilà. Ils fonctionnent de façon réflexe. On a toujours le réflexe, on a le récepteur périphérique qui est situé en périphérique. En bas, il joue les fibres afférentes sensorielles qui vont dire l'information, d'accord. En bas, il y a les fibres sensorielles. Il joue par le centre végétatif. Le centre végétatif, c'est. Je suis toujours la moelle, mais c'est majoritairement la moelle. D'accord? La moelle. En bas, il joue les fibres efférentes motrices. Les fibres efférentes motrices sont les fibres préganglionnaires et postganglionnaires. Les deux forment les fibres efférentes motrices. Et bien sûr, on a l'organe effecteur, que ce soit le cœur, que ce soit l'estomac, que ce soit l'intestin, que ce soit un vaisseau sanguin, etc. D'accord? Voilà. Donc, un récepteur, une fibre qui transmet l'information, le centre, généralement la moelle, la fibre efférente motrice, l'IIM Kounam, deux parties, une fibre préganglionnaire et une fibre postganglionnaire, et un organe effecteur, quel que soit. L'anatomie. Alors, généralité, l'innervation motrice des viscères comprend deux types de cellules. Avec le neurone préganglionnaire, d'accord. Alors, je vais schématiser Naya, te faire comme un neurone préganglionnaire, d'accord. Le neurone hada préganglionnaire, c'est une fibre faiblement myélinisée de type B. Hadou les types le troisième MD, donc d'accord. Il est de type B parce que quand il y a une fibre de type alpha, bêta, C, etc. A, B, C, etc. Dans le soma, c'est-à-dire le corps cellulaire, le soma, c'est-à-dire le corps cellulaire, est situé dans le centre végétatif. Peu importe, mon centre végétatif, comme toujours, mais je suis toujours, mais majoritairement, c'est la moelle, d'accord. En gros, on a dit la moelle d'Iéna, la moelle osseuse, la moelle épinière. Et donc, le corps cellulaire, au niveau du centre végétatif.
Et dans l'axon, je suis mis dans le ganglion végétatif. Ambel n'appelait le ganglion végétatif, c'est toujours l'articulation entre le pré- et le post-ganglionnaire. Le ganglion. Le neurone post-ganglionnaire, quant à lui, voilà le neurone post-ganglionnaire, c'est une fibre amyélinique de type C. Donc, je vais vous dire B, C, c'est là. B, C, c'est là. Donc, le soma se trouve au niveau du ganglion végétatif. Donc, la zone se mouha un ganglion végétatif. D'accord? Et donc, l'axon chemine jusqu'au viscère. Bien sûr, là, on a dit mon viscère, l'indéro, l'innervation, que ce soit un estomac, que ce soit. Voilà. Le neurone pré-post-ganglionnaire forme une synapse dans le ganglion végétatif. Le ganglion végétatif, il se trouve comme en vert. Système orthosympathique, double système orthosympathique, c'est-à-dire le sympathique, c'est un système exclusivement d'origine spinale, c'est-à-dire les fibres post- et préganglionnaires, j'ai la moelle épinière. Thoracolombaire, c'est-à-dire les vertèbres thoraciques, on le thoracique ou la dorsale, c'est la même chose, ce sont des synonymes, parce que qui tu D2, c'est la même chose que la deuxième vertèbre thoracique, on le D2 ou la T2, c'est la même chose, et lombaire, c'est-à-dire les vertèbres lombaires. Oui, c'est en deux segments. Segment. Men D2 et L3. D'accord? Men D2 et L3. Qui va juste faire donc, à la benne, il y a l'orthosympathique. J'ai les vertèbres dorsales et lombaires. Ou bien, il y a 2 ou 3. Donc, il y a Men D2 et L3. Tout simplement. Voilà, une astuce. Alors, son circuit est composé de deux types de neurones. On a le neurone sympathique pré-ganglionnaire. Leur soma se situe dans le noyau intermédiaire de la couche 7 de Rexed. Qu'est-ce que c'est que la couche 7 de Rexed? Eh bien, c'est une couche située au niveau de la moelle épinière. Je vais essayer de schématiser. Voilà. Prenons par exemple Hadihia, notre moelle épinière. Agda. Ou Hadia, c'est la substance grise, ou l'autre c'est la substance blanche, et bien la couche de Rexed se trouve ici, la couche 7 de Rexed. C'est une couche, à l'échange qu'on a une couche, parce qu'elle est formée de plusieurs corps cellulaires. Ma'amarab les corps cellulaires. C'est moi une couche de Rexed, parce que Rexed qu'assem la moelle épinière en plusieurs couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors, peu importe. Mouhim qu'il y a plusieurs couches, d'accord? Et la couche 7 de Rexed se trouve au niveau de la région intermédiaire. Voilà, on a la couche 7 de Rexed. C'est une couche qui est fait bzaf les corps cellulaires, fait plusieurs somas. Hakda? Très bien. Et donc, le neurone préganglionnaire prend son origine de la couche. Il envoie des fibres efférentes par la corne ventrale de la moelle épinière, puis vers le nerf rachidien. Alors, voilà notre moelle. Voilà هذيك لا كوش اللي هضرت لكم عليها. فيها plusieurs corps cellulaires. راح ناخذ مثال واحد. هكذا عندنا في لا مويل بينيير عندنا الجدر الخلفي هكذا والجدر الامامي. تري بيان. والجدر الامامي qui est à dos, bon, on s'en tâche, je suis à la moelle, normalement on s'en tâche, je suis à ce alors. Hai la moelle d'Yenna, hai la couche, hadik li fiha couche 7, d'accord. La moelle fiha le jid al-khalfi, ou le jid al-amami. Le jid al-khalfi, la racine dorsale, il chemine ou fiha les nerfs, les fibres sensitives, d'accord. Ou la racine antérieure, hadia, il chemine ou fiha les nerfs motrices, les motoneurones alpha et gamma. D'accord. Le tout et tihatahum forme le nerf spinal. D'accord. Le tout forme le nerf spinal. Et donc, la fibre, d'accord, elle va rejoindre la racine antérieure de la moelle, d'accord, puis le nerf spinal. D'accord. Ou donc, on chauffe on a la hiraya. D'accord. Les fibres abandonnent ensuite le nerf rachidien pour rejoindre la chaîne sympathique paravertébrale et constituent un rameau communicant blanc. Alors, où je m'en étais à l'heure. Nous avons toujours dans le sommet comme l'idée de
فراسكم الوغ نرسم لا مول شويه صغيره باش يكفيني ليسباس داكوغ هاو لو كور سيلولير هاي لا كورن اونتيريور لا كورن بوستيريور لا كورن اونتيريور اي بوستيريور بيان سور الاتحاد تاعهم يشكلوا لي لو نير سبينال العصب الشوكي هكذا جي بري ان ايتاج دو لا موال باسكو يا بليزيور ايتاج داكوغ سولون لي فيرتيبر جي بري ان سول ايتاج اي بان نقولوا هذايا سي لو نورون بريغونغليونير سيمباتيك Il va cheminer dans la racine ventrale de la moelle, il va cheminer ensuite au niveau du nerf rachidien, et hop, la vertèbre. Chaque vertèbre a une chaîne sympathique. D'accord? Une chaîne sympathique, d'accord? La chaîne sympathique est dit, il trouve là, et donc parce que le nerf spinal, il va innerver les muscles striés. T'as le corps ternaire, membre supérieur et inférieur. Et donc, elle, la racine préganglionnaire du système sympathique, elle va emprunter trop le fait de la chaîne sympathique. D'accord? Parce qu'un derrière la rabe, le système sympathique. Et donc, forcément, les muscles. Et donc, elle va emprunter le système, la chaîne sympathique. D'accord? Les rahib al-khadar, c'est la chaîne sympathique. D'accord? La jonction, vous voyez bien, la jonction hadia entre. Le nerf spinal et la chaîne sympathique est égal rameau communicant blanc. Et donc, chaque nerf rachidien, il communique avec la chaîne sympathique. Par quoi? Par des fibres. Les fibres d'Oma ont une consistance blanche parce qu'ils sont, la fibre préganglionnaire, elle est faiblement myélinisée. D'accord? Elle donne aux fibres un aspect blanc et donc ce mine un rameau communicant blanc. D'accord? Je vais essayer de schématiser encore une fois. Belek, qu'il y a quelques étudiants, les mazal mafahmouch. Voici notre moelle. Voici la racine antérieure et postérieure. Il forme un nerf rachidien. Voilà notre fibre. Rahidjayaf, la racine ventrale. Rahidjayaf, le nerf. Parce que c'est le nerf spinal. Le nerf rachidien, c'est la même chose. Après, il y a une chaîne sympathique. La jonction entre le nerf rachidien et la chaîne sympathique, c'est qui est en rouge. C'est le rameau communicant blanc. D'accord? La fibre, bien sûr, راح تكمل لي تكمل لي الطريق تاعها وتروح لهاد la chaîne sympathique اللي هي مثلها en mauve. هذه هي tout simplement. Voilà. Gère toujours la simplicité. Alors, la chaîne sympathique paravertébrale, c'est-à-dire de part et d'autre de la moelle, il constitue un rameau communicant blanc. Et ensuite, trois destinations possibles. Soit il va faire une synapse. Bien sûr, avec un neurone synaptique post-ganglionnaire ou avec post-ganglionnaire, le viscère, d'accord, de la même chaîne sympathique, ou là, il va descendre plus, d'accord, synapse avec un neurone sympathique post-ganglionnaire du ganglion paravertébral d'un étage plus crânial ou la plus caudale de la chaîne sympathique, d'accord. Comme la moelle d'Elcom. عندكم لو كور سيلولير تاعكم وعندكم لا شين هاديه فيها بليزيور ايتاج هكا على حسب ليتاج دو لاموال دوكا سوا هاد لا فيبر هاديه تجي هنايا وتقعد في ليتاج تاعها ويل فا فير اون ارتيكولاسيون افيك ان نورون بوست غونغليونير ولو بوست غونغليونير رايح للورغان داكور سوا لا تجي هكدايا تطلع شويه دير ان سينابس افيك ان نورون بوست غونغليونير جاي الفوق وتروح للورغان داكور سوا لا تهبط شويه على ليطاج تاعها بوست غونغليونير وتروح للورغان فوالا جيسبر كو فهمتوني هذه هي تو سامبلومون فوالا ولا لا ترويزيام بوسيبيليتي elle va emprunter un nerf sympathique puis ensuite former une synapse avec un neurone post ganglionnaire dans un ganglion prévertébral à distance de la chaîne sympathique paravertébrale. Donc il faut savoir que en plus de la moelle épinière d'yali ou la chaîne sympathique paravertébrale yala hijaya laissera un petit peu ma la moelle, qu'il y a une chaîne sympathique prévertébrale, c'est-à-dire ma la hiche laissera directement la moelle. Mais chez para, pré, hadi para, ou hadi pré, jaya b'id aliha. Le pré est très loin de la para. D'accord. Et donc, j'ai un corps cellulaire qui est là. Il va
l'aide la chaîne, on en prétend un nerf. D'accord? Un nerf qui s'appelle le nerf sympathique. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que le corps cellulaire, des milliers de corps cellulaires, où chaque corps cellulaire, elle envoie une fibre, l'ensemble de ces fibres constitue le nerf sympathique. Après, il y a une articulation avec un ganglion, avec un neurone post-ganglionnaire sympathique qui va jusqu'au viscère. Voilà. C'est la troisième possibilité. Neurones sympathiques post-ganglionnaires, leur somme se situe dans le ganglion de la chaîne sympathique prévertébrale ou la paravertébrale. D'accord? Ceux qui se situent dans la chaîne sympathique paravertébrale, les rahijaya qariban la moelle, rejoint le nerf rachidien en empruntant un rameau communicant gris. Toujours gardez-vous à fibelcom. L'articulation entre une chaîne sympathique et un nerf rachidien constitue un rameau communicant. À savoir, il est quand même constitué par des fibres qui m'a le communicant blanc. C'est mon communicant blanc. Et il est quand même constitué par des corps cellulaires, c'est mon gris. Et donc, les corps cellulaires qui se situent au niveau de la chaîne sympathique paravertébrale, ils sont au niveau du nerf rachidien. D'accord? Ils vont emprunter un rameau communicant gris. Ceux qui se situent dans le ganglion prévertébral, c'est-à-dire qui se situe à distance de la moelle, le nerf sympathique pourra aller innerver le viscère ciblé. Voilà ma chaîne, voilà la moelle, et voilà ma chaîne préganglionnaire, c'est-à-dire qui se situe à distance, d'accord? Il y a plusieurs corps cellulaires, il faut savoir. Un endimitel wahed, et rohli au niveau de l'organe, d'accord, à l'organe. Mais il faut savoir que ma cache le corps cellulaire qui est des milliers où l'ensemble des les fibres tahom constitue par leur ensemble le nerf sympathique, parce que chaque nerf sympathique asab constitue un elief. Elief, ce sont les fibres, d'accord. Donc le nerf sympathique, c'est l'ensemble des fibres des neurones, c'est-à-dire osbone, des neurones post-ganglionnaires. Les neurones post-ganglionnaires, le soma, vous voyez bien qu'il est situé au niveau de la chaîne sympathique pré-ganglionnaire. D'accord? C'est ça l'hymne, la deuxième partie. Alors ça, le schéma Samtoubliani, et donc c'est pas. Donc c'est le même schéma, parce qu'on a habit chouïa, comme le schéma, c'est pour ça que c'est un schéma. La glande médulo-surrénale, c'est une cas particulier. D'accord? Les glandes surrénales se situent pour le rein. D'accord? Médulo-surrénale, c'est-à-dire la partie centrale de la glande. La médulo-surrénale constitue un cas particulier équivalent à un neurone post-ganglionnaire. La fibre préganglionnaire se termine directement sur les cellules chromatophines de la glande qui sécrètent la monoamine, adrénaline et noradrénaline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette glande est un cas particulier. J'ai indiqué un neurone préganglionnaire. Il ne va se terminer pas sur un neurone postganglionnaire, mais plutôt sur la glande Kemmler. Et donc la glande Kemmler, comme si c'est un neurone postganglionnaire. D'accord? Donc le neurone préganglionnaire, d'ailleurs, il va se terminer sur une cellule, la cellule chromatophine. La cellule chromatophine, elle va sécréter l'adrénaline. Très bien, parce qu'elle a bien la médule surrénale, l'objectif de ça, c'est de sécréter l'adrénaline. D'accord. Et donc la médule surrénale est égale neurone postganglionnaire. C'est un cas particulier. Alors, ce qui est écrit en orange, le ganglion sympathique constitue un relais de transmission de l'information. Un relais entre quoi et quoi? Qui est un relais? C'est-à-dire, حاجة كانت عند واحد و راحت عند واحد آخر, d'accord? Donc, le relais, كان le message dans un premier temps, la fibre préganglionnaire. Après, le message doit être transmis à la fibre postganglionnaire. La jonction de c'est le ganglion. C'est pour ça que le ganglion, c'est un relais de transmission de l'information entre le neurone pré- et post-ganglionnaire. Au niveau de ce relais, le neurone pré-ganglionnaire
peut faire synapse avec plusieurs neurones postganglionnaires, on dit qu'il y a dispersion axonale, le ratio, et 20 fibres préganglionnaires pour 20 à 30 fibres postganglionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il faut pas imaginer que une seule qui marche comorbide, une seule préganglionnaire avec certes toujours une seule postganglionnaire. Non, alors il faut combler une seule fibre préganglionnaire, qu'elle s'écrit à des milliers. D'accord. On rappelle comme le chiffre là, peu importe, d'accord. À deux camel post, d'accord. Comme si il y a une dispersion de l'information. Bah, chaque information, un ganglion préganglionnaire, elle va être dispersée sur plusieurs neurones postganglionnaires. Voilà, le cours est très très facile. Donc près 20 à 30 fibres postganglionnaires. Les effecteurs sont distribués dans tout l'organe, même au niveau sympathique. L'axone du neurone préganglionnaire est court. On a le système sympathique. Mais le système parasympathique. L'axone du neurone préganglionnaire est court, dû à la proximité du ganglion sympathique. Où je mets à proximité du ganglion sympathique. C'est-à-dire que le ganglion sympathique taille, la moelle, qu'on a la chaîne paravertébrale, qu'on a un neurone préganglionnaire, après j'ai un neurone postganglionnaire, d'accord. Après, on dit ici, mon organe effecteur. D'accord. Et donc, c'est la jonction, on s'appelle le ganglion sympathique. Voilà. Le ganglion sympathique, d'ailleurs, la fibre préganglionnaire, elle est courte. Et vous voyez que, je vous mets là, d'accord. Donc l'accent à la fibre préganglionnaire elle est courte à l'âge parce que au premier lieu la chaîne hadia elle est vraiment proche de la moelle. Si kan عندي هكذا لو كان كان عندي هكذا لو كان كان عندي هكذا هاي la moelle هاي la chaîne ou ha mon organe effecteur. Lo kan kanet la chaîne qareeba plus de l'organe effecteur, lo kan yji عندي le ganglion la fibre préganglionnaire tkoun twila ou ba'd yji postganglionnaire li qsira. Et c'est pas le cas. C'est dans le système sympathique, la chaîne hadia qareeba bzaf la moelle. Et donc la fibre préganglionnaire tji qsira ou la fibre postganglionnaire li rahi rayha l'organe tji twila. C'est tout à fait logique. Et vous allez voir dans le système parasympathique, c'est l'inverse. Le ganglion qui est l'organe, du coup, la fibre préganglionnaire est là, la fibre postganglionnaire est courte. D'accord? Le système parasympathique. Les neurones présympathiques du système parasympathique ont une double origine. Le système sympathique, l'origine c'était lombaire et dorsale. C'est-à-dire thoracique et dorsale, mais D2 et L3. Et même le parasympathique, l'origine est double. Il y a l'icône la moelle spinale, il y a crâniale et sacrale. Il y a l'icône la moelle spinale, c'est sacral, les vertèbres sacrées, donc il y a l'icône d'origine de la moelle. Ou il y a l'icône de l'origine de la crâniale, le tronc cérébral. Ne cherchez rien, qu'est-ce que c'est que le tronc cérébral? Parce que et donc le tronc cérébral. Le tronc cérébral barbier c'est le tronc cérébral. D'accord? Voilà. C'est une structure très très importante qui contient les nerfs crâniens, les 12 paires des nerfs crâniens. Leurs accents sont plus longs que ceux des systèmes orthosympathiques, étant donné que le ganglion parasympathiques sont situés près des organes cibles, parfois même dans leurs parois. Ce qui fait que mon organe, la chaîne hadia, elle est vraiment qariba, le ganglion hada qarib, l'articulation, voilà. Ou hay la moelle par exemple. Et donc vous voyez que le neurone préganglionnaire twil bzaf ala neurone postganglionnaire. Alaj parce que le ganglion parasympathique il est situé près de l'organe, près de l'organe, voire même au niveau de la paroi. Contingent céphalique, c'est-à-dire au niveau crânial, représenté par 3e, 7e, 9e et 10e paire des nerfs rachidiens,
prenons naissance respectivement au niveau des noyaux du mésencéphale pour ensuite cheminer dans les nerfs crâniens. Voilà. Alors, il faut savoir que le tronc cérébral, il est formé de trois parties. La partie qui est le corps, c'est le mésencéphale. Je ne veux pas détailler le tronc cérébral parce que là, je n'ai aucun détaillé. Ça va prendre du temps et ça ne sert à rien. Wallah, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas l'objet du cours. Voilà le mésencéphale, je vais le dessiner comme un cadre. Le cadre bleu, c'est mon mésencéphale. À l'intérieur de ce mésencéphale, il existe des corps cellulaires, mjmou'in. Chacun ensemble de corps cellulaires, mjmou'in, comme si une famille, wahedhom. Had l'ensemble wahedo, ou had l'ensemble wahedo. D'accord. Donc à l'ensemble des corps cellulaires, les rahom isolés wahedhom, d'accord, on se met un noyau. Donc, هذا le noyau, هذا un autre noyau, ou هذا un autre noyau. D'accord? J'ai trois noyaux par exemple. Voilà. Donc, à chaque corps cellulaire, il va envoyer bien sûr une fibre. هذه il va envoyer une fibre, هذه 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 une fibre. L'ensemble de ces fibres, à chaque fois que vous voyez un ensemble de fibres, il faut que vous voyez un nerf. Le nerf, هذا واش نسموه? نسموه un nerf crânien. هكذا? Donc, la structure, c'est un nerf crânien. Et donc, il y a 12 paires de nerfs crâniens. Vous imaginez, il y a 12 de part et d'autre. Donc, au total, il y a 12 nerfs crâniens. Il y a 24 nerfs crâniens au niveau de mon corps. D'accord? 12 de là, 12 de là. 12 du côté droit et 12 du côté gauche. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Les noyaux. D'accord? Les noyaux sont dispersés. Ou chaque groupe de noyaux, d'accord, qui sont situés au niveau des trois étages, mais le mésencéphale, ou elle y a beaucoup plus. L'ensemble des fibres envoyées par ces corps cellulaires, c'est un nerf crânien. Et donc, troisième, septième, neuvième et dixième paire des nerfs rachidiens, des nerfs crâniens, parce que on a 12 paires. Et donc la troisième paire, la septième paire, la neuvième paire et la dixième paire, on a le contingent céphalique, c'est-à-dire le contingent crânien, terre, le système parasympathique. Donnons respectivement au noyau de mésencéphale pour ensuite cheminer dans les nerfs crâniens. On a le premier groupe, comme des familles, on a le noyau des Denker et Westphal, de trois. Le noyau, l'ensemble des fibres, c'est un nerf crânien. Le nerf crânien, c'est le nerf oculomoteur. D'accord? Parce qu'il faut savoir que chaque paire des nerfs crâniens a d'accord. Le 3, c'est le nerf oculomoteur. Toujours le 3, le nerf oculomoteur, de part et d'autre. Donc, un nerf oculomoteur droit et un nerf oculomoteur gauche. Très bien. Oculomoteur, c'est qui est destiné en sphincter pupillaire. Pupillaire, c'est-à-dire le bobo, la pubie, c'est-à-dire le bobo, et aux muscles ciliés de l'œil. Les muscles ciliés de l'œil. Sans rentrer dans les détails. Voilà, les muscles ciliés de l'œil. Vous allez tous les étudier au niveau de 3e EMT. Noyau salivaire supérieur par le 7. Le 7, c'est un nerf crânien, mais il y a un nom, le nerf facial. Dessiné aux glandes lacrymales, Voilà, les glandes lacrymales, c'est-à-dire le rodin de Meya, nasal, bien sûr, sublingual, c'est-à-dire tahti lisan, et sous-maxillaire. Sous-maxillaire, c'est-à-dire les maxilles qui ont des glandes. Voilà. Et le noyau salivaire supérieur. Ou smooth salivaire. Donc, un contingent nasal, un contingent lacrymal. Tout ce qui est liquide, c'est le noyau salivaire, le 7. Donc, le noyau salivaire inférieur, le 9, c'est le glossopharyngien destiné aux glandes parotides. Point. Glande parotide, c'est inférieur. Voilà. Et le noyau dorsal, c'est-à-dire le 10. D'accord. Le noyau dorsal, c'est-à-dire le 10. D'accord. L'ensemble des fibres terrestres de noyau, parce que le noyau, comme c'est un ensemble de corps cellulaires, est égal au noyau. L'ensemble des fibres terrestres de noyau, ils vont constituer un nerf crânien. Le nerf crânien, c'est le nerf vague. Et le nerf vague, c'est vraiment important. Dessiné au cœur, bronche, cassabette, l'œsophage, l'estomac,
l'intestin proximal, foie, vésicule biliaire, pancréas et la partie supérieure des urètres. Vous voyez qu'il a des multifonctions. Je vais vous dire que il y a des fibres parasympathiques cheminent dans le nerf vague. C'est-à-dire le nerf vague il constitue la majorité des fibres parasympathiques. Bien sûr, préganglionnaire, nous avons déjà le postganglionnaire, la neuf l'origine. Le contingent sacré, c'est les racines S2 à S3. Nous pouvons dire S1 à S4, c'est la même chose. S2, S3, sacral, c'est les vertèbres sacrales. Elles sortent par les racines ventrales pour se terminer sur la paroi des viscères. Qui m'a dit la racine ventrale, après le nerf rachidien, après un ganglion parasympathique avec un neurone post-ganglionnaire ou le neurone post-ganglionnaire, et alors il va innerver les viscères. Il innerve notamment la partie distale du côlon, la partie basse de l'urètre et le tissu érectile des organes génitaux. Donc vous voyez que le nerf vague qui va innerver les parties supérieures à l'urètre et le contingent sacral il va innerver la partie basse de l'urètre. D'accord? L'urètre, désolé. D'accord? Voilà. Tout ce qui est proximal, c'est le vague. Tout ce qui est distal, c'est le contingent sacral. Une petite différence entre les deux systèmes, sympathique et parasympathique. Le sympathique, on a l'origine taro strictement spinale. Mais d'où chez notre contingent. Et donc, thoraco-lombaire, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. On a même D2 et L3. Le parasympathique, un de deux contingents, crânial et sacral. Sacral, les vertèbres S1 à S4, ou l'un de les vertèbres S2 à S3. Crânial, ce sont les nerfs 3, 7, et 9 et 10. Voilà. Le 10 étant le vague, le plus important nerf parasympathique. Localisation du ganglion. On a le ganglion flux sympathique près du système nerveux central. On a la moelle ou l'organe. Tandis que le parasympathique, le ganglion près l'organe. Le système nerveux central. Parce que la moelle, c'est, elle fait partie du système nerveux central. La longueur de la fibre présympathique, on a la fibre parasympathique, elle est courte, parce qu'elle lèche le ganglion, crève le système nerveux central, ou près de l'organe. Le parasympathique, c'est l'inverse. La fibre, elle est lente. Longue. Alors, la transmission synaptique, c'est rien. D'une manière générale, le neurotransmetteur libéré par les neurones présympathiques agissent bien sûr sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique. Il existe deux types de récepteurs. Kain, les récepteurs ionotropes. Où je m'attends des récepteurs ionotropes? Ce sont des récepteurs, les qui la molécule neurotransmetteur se fixe sur ce récepteur. Le récepteur s'ouvre, donc c'est un canal qui va laisser passer certains ions entrer à la cellule. Ainsi modifiant le potentiel de la membrane. C'est-à-dire, j'ai le récepteur, d'accord? C'est un canal. Dès que le neurotransmetteur se fixe, il est fermé. Dès que le neurotransmetteur, par exemple, je prends un exemple, l'acétylcholine se fixe, le canal, il va s'ouvrir. Il va laisser passer les ions rentrés. C'est un récepteur ionotrope. Par contre, les récepteurs métabotropes, ce sont des récepteurs qui vont fixer une molécule toujours, un récepteur, il va fixer une molécule. La fixation de molécules ne va pas provoquer l'entrée des ions, mais plutôt, c'est beaucoup métabolique. À la base, on a le métabotrope. C'est beaucoup plus des réactions à l'intérieur de la cellule, d'accord, faisant intervenir par exemple la protéine C ou la protéine G ou la voilà plusieurs systèmes au niveau de la cellule. C'est beaucoup plus métabolique. Bien sûr, l'adénylate cyclase sont des enzymes à l'intérieur de la cellule qui vont moduler l'activité derrière la cellule, mais il ne va pas provoquer l'entrée de d'ions et modifier le potentiel. Voilà. Synapse au niveau du ganglion végétatif. Alors, le ganglion végétatif, c'est le synapse entre le neurone pré- et post-ganglionnaire. Dans le système nerveux autonome, tous les neurones pré-ganglionnaires, qu'ils soient sympathiques ou parasympathiques, sont de type cholinergique. Vous m'avez bien. Cependant, les neurones pré-ganglionnaires sympathiques peuvent parfois sécréter des neuropeptides. Ça, c'est pas très important. Je vais vous dire
Voilà, كاين النار. كاين النار بريغونغليونير كي سوا سيمباتيك ou باراسيمباتيك. وكاين جو شاماتيزي ان سول بوست غونغليونير مي قلنا كاين 20 حتى 30 بار اون سول فيبر بوست بريغونغليونير. داكوغ قال لكم هاد لو نار بريغونغليونير il va sécréter toujours de l'acétylcholine. Mais il peut sécréter autre chose. Alors, parfois, dans le système sympathique, il peut sécréter quelques neuropeptides, encéphales, substances encéphaline, substance P, somatostatine. Mais en général, c'est l'acétylcholine qui est sécrétée par le neurone préganglionnaire. D'accord? Les boutons sympathiques des neurones préganglionnaires et parasympathiques libèrent de l'acétylcholine qui va se fixer sur des récepteurs de type nicotinique ou la muscarinique au niveau de la membrane postsynaptique du neurone postganglionnaire. Alors, juste une remarque, je sais qu'il y a un problème avec ces deux types de récepteurs, donc je vais les détailler. Alors, je vais vous dire les deux types de récepteurs. Alors, maintenant, désolé. Alors, les deux types de récepteurs, je vais le conférence. Alors, je vais séparer. Un récepteur nicotinique, je vais le symboliser avec une lettre N. Et un récepteur muscarinique, je vais le symboliser avec un M. La différence entre les deux, c'est que le récepteur nicotinique, c'est un récepteur ionotrope. C'est-à-dire que la fixation, il faut savoir que les deux peuvent fixer l'acétylcholine et exercer leur effet. C'est-à-dire, Hada, il fixait l'acétylcholine, ou Hada, il fixait l'acétylcholine. C'est un récepteur qui va se fixer une molécule. La molécule Fihalahadi, c'est l'acétylcholine. Le récepteur nicotinique, c'est un récepteur ionotrope. C'est-à-dire que la fixation de l'acétylcholine va provoquer l'ouverture, c'est un canal, et l'entrée des ions. Tandis que la fixation de l'acétylcholine sur le récepteur muscarinique, elle va entraîner, c'est un récepteur métabotrope, donc il va entraîner une activité intracellulaire. Qui fait que je métabotrope, donc muscarinique, la lettre M, donc c'est métabotrope. Tu peux dire que l'ionotrope est la nicotinique. On dit que la différence entre les deux. La différence deuxième, elle est similaire nicotinique parce que tout simplement, il peut fixer aussi la nicotine. D'accord? Comme si le récepteur Adam, il fait que la nicotine ou l'acétylcholine. Tu te fixes à l'acétylcholine, il va laisser entrer les ions. Tu te fixes à la nicotine, il va se fixer, il va laisser passer les ions. Et donc, il faut que les deux. D'accord? Et donc, la nicotine, c'est un agoniste. À chaque fois que vous entendez le mot agoniste, c'est-à-dire une molécule, les chibbeh, un peu à peu près la molécule originale, comme si l'acétylcholine, elle va se fixer et entraîner les mêmes effets que la molécule originale. Antagoniste, qui est une molécule antagoniste, c'est-à-dire une molécule qui va se fixer sur le récepteur, il va le bloquer. Elle va le bloquer. Dans ce cas-là, la nicotine, c'est un agoniste. Elle va exercer les mêmes fonctions. Ou muscarinique, elle est similaire muscarinique, parce qu'en plus de l'acétylcholine, il peut fixer une toxine. Extrait du champignon, peu importe, qui s'appelle la muscarine, d'accord, exercer les mêmes effets, comme si le récepteur muscarinique, mais il fallait que je la muscarine ou la acétylcholine. C'est ça la différence. Différence ouhdokhra, c'est que le récepteur nicotinique, il y a surtout au niveau de la jonction neuromusculaire, au niveau des muscles, pour provoquer la contraction. Tandis que le récepteur muscarinique, il y a beaucoup plus sur les viscères. Il y a la différence majeure entre les deux. D'accord, je me suis jamais très bien. Allez, on sait que la muscarine, c'est moi, tani agoniste. Donc la muscarine aussi, c'est un agoniste de l'acétylcholine. Voilà. Et donc, on a, que ce soit le système sympathique ou parasympathique, le neurotransmetteur libéré fréquemment, c'est l'acétylcholine. Ou l'acétylcholine.
la membrane postganglionnaire, le neurone postganglionnaire, qui a deux types de récepteurs, soit muscarinique, soit le nicotinique. Il a le choix de fixer sur le récepteur. D'accord? Parce que l'acétylcholine, peu importe, il peut se fixer sur les deux types de récepteurs, que ce soit nicotinique, que ce soit muscarinique. La stimulation du neurone préganglionnaire. La stimulation du neurone préganglionnaire. Alors voilà un neurone post-préganglionnaire et voilà un neurone postganglionnaire. Le neurone postganglionnaire fait deux types de récepteurs, le muscarinique et le nicotinique. Voilà. On distingue trois réponses postsynaptiques possibles. Donc soit l'acétylcholine, il va se fixer sur le récepteur nicotinique, il va entraîner un PPSE, d'accord, post-potentiel synaptique. Excitateur, voilà, dû à l'excitation des récepteurs cholinergiques nicotiniques. Donc, soit l'acétylcholine va se fixer sur le récepteur muscarinique, dans ce cas, il va entraîner aussi un PPSE, mais un peu tardif par rapport au récepteur nicotinique. Un peu retardé, voilà. Le récepteur nicotinique, il est un peu rapide que le récepteur muscarinique. Et soit bloqué par l'atropine. Donc, le récepteur muscarinique peut être bloqué par l'atropine. Donc, l'atropine, c'est un antagoniste du récepteur muscarinique. Ou la muscarine, c'est un agoniste du récepteur muscarinique. Voilà. Parce que l'atropine, elle va bloquer, donc c'est un antagoniste. Elle ne va pas exercer les mêmes effets que la molécule originaire. Hyperpolarisation PPSI due à l'inhibition par des interneurones adénergiques, peu importe, parce qu'il y a toujours une régulation dans cette sorte de synapse, et donc l'hyperpolarisation va provoquer ce qu'on appelle le potentiel d'action. Quand on a une hyperpolarisation, c'est-à-dire un بعد على le potentiel d'action, c'est-à-dire l'estimalité ce que potentiel d'action est chiqueli راهي بعيد dû à l'inhibition par des interneurones adénergiques, c'est des neurones de régulation. Et donc l'acétylcholine, il peut se fixer sur soit des récepteurs nicotiniques ou la muscarinique. Dans les deux cas, il va entraîner un PPSE, soit l'inhibition des interneurones, elle va inhiber la fixation, elle va inhiber la formation d'un potentiel d'action, et donc on a la formation d'un PPSI, d'accord? Plus qu'un PPSE, plus on a la chance que le potentiel d'action se forme. Plus on a un PPSI, plus que la chance de formation d'un potentiel d'action est rare. Remarque, les agonistes nicotiniques existent simultanément le système sympathique et parasympathique au niveau des ganglions végétatifs. Et donc, au niveau d'un ganglion végétatif, il existe les deux types des récepteurs, nicotinique et muscarinique. Et donc la nicotine, elle va se fixer sur le récepteur tout simplement nicotinique, que ce soit pour le système sympathique, que ce soit pour le système parasympathique. Mais attention, attention, la nicotine ne peut pas stimuler directement les organes effecteurs. Les organes effecteurs, comme les viscères, comme le muscle squelettique, fait des récepteurs nicotiniques, tandis que les viscères, ou je fais comme muscarinique. Et les récepteurs muscariniques, mais ils ne sont pas la nicotine, ils sont soit la acétylcholine, soit la muscarine. D'accord? Ou les récepteurs nicotiniques qui t'hallent, soit ils t'activent, si vous voulez, ils t'activent soit la nicotine, soit la acétylcholine. D'accord? Et donc les viscères, puis on a des récepteurs muscariniques qui t'hallent, il y a la muscarine, il y a la nicotine, mais il y a la acétylcholine, mais ils t'hallent la nicotine. Voilà. C'est simple. Hein? La acétylcholine, quant à elle, voilà, la physiologie, cool. La acétylcholine, quant à elle, active aussi bien les récepteurs nicotiniques que muscariniques. On est d'accord? Voilà. L'acétylcholine, elle a le choix, elle a comme si tu peux trier. Voilà. Billet. Voilà. Il existe des agents bloquants qui empêchent la transmission synaptique au niveau des ganglions végétatifs, sympathiques et parasympathiques. Le TA, le pendothélium. Qui met le TA, je fais le court potentiel d'action. Je fais le TA. Ce sont des agents qui bloquent la transmission synaptique. La synapse, on va pas tarder sur ça parce que c'est. Voilà, ma fille Hawalo. Neurone postganglionnaire parasympathique sans cholinergique. Postganglionnaire orthosympathique sans adénergique. Alors, je te fais mon ami.
Voilà, on a le système sympathique ou on a le système parasympathique. Le système parasympathique, un nom préganglionnaire, postganglionnaire. Préganglionnaire et postganglionnaire. Il y a une différence entre les deux, système sympathique et système parasympathique. On est toujours au niveau du ganglion, l'agent qui est libéré, c'est l'acétylcholine. D'accord? Même là, il y a l'acétylcholine. Donc, on fait moins les choses. Il y a. نطلع شوية لو شيما ماشي سيستم سيمباتيك سيستم بارا سيمباتيك بري بري بوست بوست وعندنا لورغان افكتور هنا لورغان افكتور هنا قلنا توجور كو سوسوا un système sympathique ou la parasympathique, la molécule qui est libérée au niveau par le ganglion présympathique, c'est l'acétylcholine. La REL, le ganglion présympathique, pré-ganglionnaire, mais il est libéré autre substance, l'acétylcholine. Même là, l'acétylcholine. Or que le neurone post-ganglionnaire, il qui connaît le système sympathique, il va libérer l'adrénaline ou la noradrénaline. D'accord? Qu'elle va se fixer sur le récepteur lycaïne au niveau de la paroi des viscères. Mais qui connaît le système parasympathique, le neurotransmetteur libéré par le ganglion, par le neurone post-ganglionnaire, c'est l'acétylcholine toujours. Et donc le système parasympathique, c'est l'acétylcholine Burk. Le système sympathique, à savoir le neurone pré-ganglionnaire, il va sécréter l'acétylcholine. Mais le neurone post-ganglionnaire, il va sécréter soit l'adrénaline, soit la noradrénaline. Bien sûr, il y a des récepteurs sur les différentes viscères, la membrane des viscères, tout simplement. Le système parasympathique, le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Il va synthétiser au niveau des terminaisons, à partir de l'acétyl-CoA et la choline, par la choline acétyltransférase. Il est stocké dans des réserves, d'accord, qui est prêt à l'exocytose, qui est prêt à l'exocytose, d'accord. Après, il y a un potentiel au niveau de, du neurone préganglionnaire. Il va libérer l'acétylcholine, d'ailleurs, ou la libération de les vésicules, c'est le calcium. Donc, le calcium, il trouve les canaux voltage dépendants, d'accord, qui connaît un potentiel. Ça va ouvrir les canaux voltage dépendants. Le calcium nitrole et donc c'est pas exocytose de l'acétylcholine, d'accord. L'élimination, bien sûr, l'acétylcholine doit être dégradée qui nous limite sa proche et donc par l'acétylcholine et ses rases. Les récepteurs, une fois libérés dans la fente synaptique, l'acétylcholine se fixe sur un récepteur spécifique. Concernant le système parasympathique, ils sont muscariniques. Alors, on a le neurone préganglionnaire, voilà. On a droit à le post-ganglionnaire. Voilà, on dit un organe. D'accord. On a fait le parasympathique. On a l'acétylcholine. On a toujours l'acétylcholine. L'acétylcholine, on a des récepteurs au niveau des organes. Les récepteurs sont de type muscarinique. On a les récepteurs muscariniques. Se situent toujours au niveau des parois des organes. Des viscères, que ce soit estomac, que ce soit cœur, voilà. Mais on trouve des récepteurs nicotiniques. Les récepteurs nicotiniques, on trouve surtout au niveau des plaques motrices, t'as les muscles. D'accord? Ils sont de plusieurs types, bien sûr, même M1 à M5, où chaque récepteur a la spécificité, t'as le tissu. Qui m'a le stomac, on trouve muscarinique de type 1. Le cœur, on trouve muscarinique de type 2. Etc. Les agents qui agissent comme l'acétylcholine sont appelés parasympathomimétiques, comme les agonistes, comme l'acétylcholine, le domitel, la muscarine, la pilocarpine, je fais aussi la nicotine, et donc ils vont agir comme l'acétylcholine, comme si l'acétylcholine, les mêmes effets. Ce sont des agonistes, on en a des parasympathomimétiques.
Il existe des substances qui potentialisent l'action de l'acétylcholine en inhibant l'action hydrolytique de l'acétylcholine estérase. Il y a certaines molécules qui vont inhiber l'enzyme et dégrader l'acétylcholine. Et donc, l'acétylcholine a plus de chances de chipper sur les récepteurs. Et donc, on a la néostigmine, la phosphostigmine et le DFP. Une remarque très très importante, ces molécules sont à retenir par cœur. Je pense que tu as rempli que c'est un bel coup, bel coup, bel coup, tu le détruire. Augmentant ainsi la quantité d'acétylcholine disponible au niveau de la fente synaptique. Les récepteurs muscariniques sont peut-être bloqués, soit par l'atropine, on en a déjà. L'atropine, c'est un antagoniste, d'accord? Et la scopolamine, c'est un antagoniste aussi d'un récepteur. Donc, elle va bloquer le récepteur plutôt que l'activer. On attaque maintenant le système sympathique. On a le système sympathique, le ganglion préganglionnaire va synthétiser l'acétylcholine, mais le ganglion postganglionnaire va synthétiser de l'adrénaline. L'adrénaline, elle va se fixer sur le récepteur qui se trouve au niveau de l'organe. L'adrénaline, il faut savoir qu'il est synthétisé à partir d'un acide aminé très très important qui s'appelle le tyrosine. D'accord, la tyrosine. La tyrosine, elle va subir plusieurs transformations. La tyrosine hydroxylase, elle va atteindre la dopa, c'est-à-dire dihydrooxyphénylalanine, d'accord? Dihydrooxyphénylalanine, dihydrooxyphénylalanine décarboxylase, ça atteindra la dopamine. La dopamine bêta hydroxylase, ça atteindra la noradrénaline. La noradrénaline, bête l'enzyme, voilà, phénylalanine, voilà, c'est pas important de savoir le nom. T'as comme l'adrénaline. Donc la noradrénaline va synthétiser l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est plutôt dibham la noradrénaline. Voilà. Stockage, elle va être stockée. Une fois libérée, elle va être libérée. Attention, les récepteurs sont de type alpha et bêta, adénergiques. Voilà, l'adrénaline et la noradrénaline, au niveau des organes effecteurs, au niveau des parois par exemple, l'estomac fait des parois pour l'adrénaline. Les récepteurs ADOMA sont de type adénergique ou sont de type alpha et bêta. Bien sûr, le neurotransmetteur, l'adrénaline ou la noradrénaline doit être dégradé, d'accord, ou là, soit recapté par la membrane présynaptique pour être dégradé par les monoamines oxydases ou là, soit diffusé dans la fente synaptique pour être dégradé. Donc, l'adrénaline HADA, soit il va être dégradé dans le farar al-mishbaki, d'accord? Soit il va être capté par le ganglion postsynaptique pour être dégradé. L'essentiel, il est dégradé. Voilà. Les récepteurs sont des récepteurs adrénergiques de type alpha et bêta, où chaque alpha fait alpha 1, alpha 2, où chaque bêta fait bêta 1 ou bêta 2. À savoir, voilà, la noradrénaline se fixe en priorité sur les récepteurs alpha, tandis que l'adrénaline active les récepteurs alpha et bêta de ma manière. Qu'est-ce que tu as? On a toujours une semeur de l'adrénaline que tu as. On a une de la noradrénaline. L'adrénaline est chouette à la noradrénaline. Dis-le bien comme l'adrénaline, mouhima à la noradrénaline. Du coup, elle peut activer les deux types de récepteurs. Tandis que la noradrénaline, machine à l'offre à bzef, dis-le bien comme si machine mouhima bzef. Et donc, elle peut fixer carrément bulk sur les récepteurs de type alpha. Elle ne peut pas se fixer sur les deux. Voilà. Selon le récepteur qui est activé, que ce soit alpha ou bêta, il y a certaines activités que je vous demande à tête reposée de les lire et d'essayer de les mémoriser au pire des cas, si vous avant de faire l'examen 2 à 3 minutes ou la 4 heures, si vous à faire l'examen, d'accord, au pire des cas, qui vous avez fait la révision, si au pire des cas, qui trouve nous derrière l'examen, ce que j'ai fait, et j'ai jetni vraiment heila, ce que je faisais, quand tout le monde nous allait le cours, nous la révision tiens, on a lu ça, mais qui j'ai tenu l'examen, donc طاحوا bien sûr راح تدو بهم دي بوين ملاح فوالا او بيغ دي كا هادي اللي ما قدروش تحفظوهم سينون شاك ريفيزيون راح تولي لكم كوم ان شيما في راسكم فوالا les agents qui agissent sur la noradrénaline sont appelés sympathomimétiques.
Voilà, comme la noradrénaline, il active les récepteurs adrénergiques, l'oncite, l'adrénaline, la méthoxamine, qui sont dites agonistes adrénergiques. Donc, les molécules qui agissent, qui mêlent à l'adrénaline, sont des sympathomimétiques. Ce sont des agonistes. Qui ont le mimétique, c'est-à-dire, tu as fait mimer, c'est-à-dire, comme si tu as avec la molécule. Et donc, ils vont activer ces récepteurs. Qui m'a l'adrénaline, qui m'a la méthoxamine, sont dites agonistes. Il existe des substances qui agissent sur une seule ou ce famille de récepteurs seulement. C'est le cas de phényl, hadoumatani, lazmtani, tahabtouhom, parce qu'il y a ou haftom la dernière minute et qitom tahoutan. D'accord? Lazmtahabtouhom, had les molécules. Il existe des substances qui agissent sur la fibre présynaptique en provoquant la sécrétion de glandes de granules de noradrénaline. Alors, il y a des molécules qui vont agir sur la fibre présynaptique. Et normalement, la postsynaptique, je ne sais pas si c'est une faute ou bien en provoquant la sécrétion des glandes de noradrénaline. C'est le cas de l'épinephrine, thymine. Donc, en gros, ils vont agir sur la fibre normalement postsynaptique, non? Parce que la postsynaptique est l'articatiline, la noradrénaline. Normalement, c'est postsynaptique. Donc, ils vont agir pour sécréter ces noradrénalines ou l'adrénaline. Et donc, ce sont des sympathomimétiques indirects. Voilà. Ok, les antagonistes, je vous demande à les retenir par cœur. Parce que qui coûte n'aime, j'ai pas trouvé des astuces à quel comment les mémoriser. Sauf que t'habtoha. Donc, hado mal à ma farmonam t'habtoha. Sinon, vous pouvez faire chez vous un petit tableau qui groupe tous les molécules. C'est ce que j'ai fait en ailleurs. Et je sais pas, parce que t'habtoha les hado tableau, c'est pour ça que je m'arrête touche. C'est pour ça. Sinon, quand sur le com, peut-être tout le groupe. Mais vous pouvez faire par vous-même. Les agonistes, les antagonistes, sympathomimétiques, parasympathomimétiques, les antagonistes à chaque les deux systèmes, ben chaque à la veille, les hommes, t'habdom. D'accord, mais si tu dois faire ce comme ça, les hommes, les hommes, donc la veille, t'es froid. D'accord, t'habdom, camel, ou tu dors. Ou là, t'es comme un secret, le plus important, la plus importante, c'est que tu connais chafien. نقول لكم مثال يقدر يكون واحد جام يقرا الكوري يطلع عليه لافي يقراه بيا كوم يلفو ويدخل منكم في ليكزامان طوندي كنتوما عاودتوه مي لافي ما عاودتوهش وغدوه من داك ما كنتوش شافين ويدخل منكم لا بلوز امبورطون شوز ا تونير ا كونت في لي زيكزامان تاعكم سي كو لازم تقعدوا شافين باش تقعدوا شافين لافي شاك موديول لازم تعاودوا ا زيرو لي كو سي ام ا زيرو فوالا لازم تعاودو كلش سنتر دو ريغولاسيون دو كونترول دو سيستيم نيرفي اوتونوم بيان سور شاك سيستيم عندو سيستيم دو ريغولاسيون لي كونترولي بار لي نوي دو ترون سيريبرال لو ترون سيريبرال يتحكم فيه ليبوتالاموس لو سيستيم لامبيك سا سي با امبورطون il faut savoir que l'hypothalamus ou la peu importe le cortex préfrontal le système limbique et donc cortex préfrontal c'est le chef de mouchia qui jaillit le dmar d'accord le cerveau hadouma c'est il تحكموا لي في le tronc cérébral ou le tronc cérébral il تحكم لي في le système nerveux autonome donc واحد يحكم فيه واحد alors les neurones ganglionnaires les afférences viscérales les neurones ganglionnaires spinales de la colonne dorsale رسم لكم en même temps اللي نهضر خير alors عندكم la moelle épinière تاعكم نرسمها هنا بالبورت alors عندكم au niveau de la corne dorsale de la moelle il y a كاين la corne dorsale et la corne ventrale la corne dorsale de la moelle par exemple نقولوا هنايا il y a certains corps cellulaires d'accord ils vont envoyer une branche qui va se terminer sur les viscères ou هاد la branche تساعدكم باش تحسوا بالالم par exemple كي تكون توجع فيكم كشكم توجع فيكم الاستوما par exemple تحسوا ماشي ما تحسوش ماشي c'est-à-dire un viscère داخل الجسم تاعكم ما تحسوش به تحسوا et donc par exemple كاين الالم هنايا راح يجيب هاد لا برونش الحسيه هادية ومن الحسيه هادية يطلع جوسكو سيرفو هكا يطلع لهنا هاو لو سيرفو هنايا يطلع ليه داكو قال لكم باللي هاي اون برونش اكسونيك
qui se termine au niveau des récepteurs viscéraux. Les récepteurs viscéraux, ben, je t'ai soublié l'alum. Et une seconde branche qui va se terminer sur la partie superficielle de la corne dorsale de la moelle, où elle sera reliée à des neurones sympathiques. Elle va se terminer ici. Ici, où je prends le nakaïen. Kaïen des noyaux. Ou les noyaux, de quoi je prends le la couche 7 de Rex, c'est la tchifa. Très bien, tu as le système sympathique. Bon, je ne sais pas quoi répondre, toi. Tu as le système sympathique. Et donc, la branche, elle va réguler l'activité de ces. De ces noyaux. Ou bien sûr, maintenant, Kaïen, pré-ganglionnaire, on va être post-ganglionnaire, on va être le viscère. Très bien. Donc, vous voyez que c'est un cercle. C'est pour ça que l'arc réflexe est ainsi bouclé. En parenthèse, c'est des chartels compacts, c'est pas important. Jamais le réflexe aussi. Mais il faut lire le tout. Le réflexe végétatif, le réflexe Hadaya, un point de départ, c'est l'augmentation de la pression artérielle. L'augmentation de la pression artérielle va stimuler des récepteurs périphériques. Toujours qu'on a l'arc réflexe, puis des récepteurs périphériques, ce sont les baroréceptors, c'est-à-dire tu as la pression, bar, c'est-à-dire pression, des gros vaisseaux. En bas, les récepteurs Hadoma, ils vont gérer un potentiel d'action au niveau des fibres afférentes. Les fibres afférentes vont transmettre l'information à tel le centre végétatif, généralement la moelle, ou le centre Hada. Bêche, il va baisser la pression parce qu'il y a une augmentation. Il va inhiber le tonus sympathique. Donc, le système parasympathique, le système sympathique, où je veux dire, le système sympathique, c'est un système de stress. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer la contraction des muscles listés à les vaisseaux. Donc, il va augmenter la pression. Donc, moi, pour baisser la tension, je vais inhiber le système sympathique. Donc, on inhibe le système sympathique, il va... la paroi, les vaisseaux sanguins, elle va être relâchée, et donc ça va diminuer la pression artérielle. D'accord? Et donc je maintiens le tonus sympathique. Sympathique, c'est le stress. Donc il va contracter les muscles lisses et donc faire augmenter la pression de façon massive. Et donc, si je veux diminuer la pression, je vais inhiber le système sympathique et donc il te réglera le problème. Réflexe végétatif. La nourriture ou la son odeur déclenche des influx nerveux cheminant vers les noyaux glossopharyngiens et vagal du tronc cérébral. Ce dernier par la baie des nerfs parasympathiques efférents, pré et post, stimule les glandes sécrétrices de la partie haute du tube digestif. Voilà, louable. La distension du rectum provoque un réflexe parasympathique responsable de la contraction péristaltique du côlon aboutissant à la défécation. La distension du rectum, elle va provoquer un réflexe parasympathique qui consiste à la contraction péristaltique, c'est-à-dire le côlon va se contracter sur lui-même, d'accord, pour pousser les matières fécales et aboutir finalement à la défécation. Du coup, un petit peu l'activité tonique. Les nerfs sympathiques et parasympathiques, on voit continuellement, et c'est ça, c'est le caractère tonique. Tonique, c'est-à-dire permanent. Des influx nerveux de fréquence constante aux organes effecteurs. C'est ça. Alors, principe de cette réponse ternaire est le suivant. Dans les conditions physiologiques normales, la pression artérielle est stable. Donc, dès qu'il y aura une hypotension, j'ai besoin d'augmenter la tension. Et donc, la fréquence, alors, dans les conditions physiologiques normales de pression artérielle, c'est-à-dire la pression, elle est énorme. Les fibres sympathiques envoient un potentiel d'action. Mais si trop low, la pression normale, elle est normale, que les fibres sympathiques, elles ont un rôle. Non, ils vont envoyer un potentiel d'action à une fréquence stable. D'accord? Ou cette fréquence qu'elle va maintenir la pression artérielle stable. Donc, dès que j'ai une hypertension, la fréquence, elle va diminuer parce que là, le système sympathique augmente. Comme il fait la contraction des muscles listés à les vaisseaux, il va augmenter. Et donc, là, je chauffe une hypertension, mais quand je rabille une hypertension, c'est-à-dire que la fréquence dans le système sympathique, elle va être diminuée. Le contraire, si j'ai une hypotension, là où le système sympathique, il va augmenter la fréquence et donc, il va aller la pression, ben, je tout lis un équilibre. D'accord? Très bien.
هذا ما كان هذا واش يقول لك اكتيفيتي تونيك سادير ميم اون كونديسيون فيزيولوجيك ميم لو توت اي نورمال لو سيستيم سيمباتيك اي باراسيمباتيك توجور يخدم توجور اي لونفوا دي بوتونسييل داكسيون بار لي فيبر بري غونغليونير اي بوست غونغليونير مي دو فاصون ستال داكور il va augmenter son activité et il va diminuer son activité en dans les conditions voilà anormales. Il nous reste deux pages à chiffrer. Alors le cas particulier dans le bidet à la course, c'est l'amygdale surrénale. On a l'amygdale surrénale, il faut savoir une chose, qu'elle appartient au système sympathique. C'est la chose l'oula. La chose que vous devez savoir, c'est que le ganglion le neurone post-ganglionnaire. C'est-à-dire, dans les cas normaux, le système sympathique a un neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire. Mais l'amygdale surrénale, c'est un cas particulier. Comme si il y a le neurone post-ganglionnaire. Donc, un neurone pré-ganglionnaire, il va directement se lier à l'amygdale surrénale qui, elle-même, a un rôle du neurone post-ganglionnaire. Elle va sécréter l'adrénaline et la noradrénaline dans le sang. Elles ont double fonction, l'adrénaline et la noradrénaline. De façon, d'une part, ils vont, l'adrénaline, c'est un vasoconstricteur. Donc, elle va augmenter la pression artérielle. Et d'autre part, elle a un effet métabolique. Elle agit sur le métabolisme de nombreuses cellules. Donc, elle a une fonction endocrine. Et l'adrénaline, comme si c'est une hormone hyperglycémiante. Donc, l'adrénaline, c'est une vasoconstricteur qui appartient au système sympathique, mais aussi, l'adrénaline, elle a des fonctions hormonales. C'est une hormone hyper... hyperglycémiante, voilà, parce que dans le cas de stress, le système sympathique qui redem, les amygdales se coupent dedans, et donc l'adrénaline est d'abord redemain, d'accord? C'est ce que je vous dis. Donc l'adrénaline, l'amygdale surrénale, contrôle les deux systèmes, dans le système sympathique et dans le système endocrinien. Donc quand je vous les différents effets, ma prêche. Différents effets. Avec la vessie, le sympathique, il va inhiber toniquement le dit trésor par les récepteurs bêta. C'est-à-dire, il va inhiber la contraction de la vessie. C'est-à-dire, il va provoquer le détrusor, c'est le muscle lisse t'as la vessie. Et donc, il va inhiber le muscle. Du coup, on a une rétention des urines. Le sympathique, c'est un état de stress. Vous remarquez tout quand même l'état de stress. Donc, on a une rétention t'as les urines. Voilà. Excitation du trigon viscéral et empêche le vidange de la vessie alors qu'elle est vide. Il va empêcher la vidange de la vessie même si elle est vide. Et donc dans le cas de stress, on a l'impression que on a habine des ou les urines mais on peut pas. Alors le stress. Vous allez mieux me comprendre que quand vous allez passer votre OMD, ça va bien s'éclaircir. Alors le parasympathique. Il va stimuler les deux trésors, c'est le cas de calme, il va inhiber le sphincter, il va entraîner la miction, c'est-à-dire les urines. Cependant, les urines, elles peuvent être contrôlées de façon volontaire, d'accord? Parce que l'innervation motrice, t'as le sphincter externe, elle est de nature nerveuse. Ou chemin somatique, c'est-à-dire il est strié. Ou à chaque hadja strié, muscle strié, c'est-à-dire il est volontaire. Et donc, il est sous contrôle de la volonté. Même la miction, c'est la même chose, d'accord? Ces mécanismes réflexes sont actifs chez le nouveau-né, puis sont peu à peu remplacés par le contrôle supraspinal, c'est-à-dire chez les nouveau-nés, le système sympathique il relève le système volontaire. Voilà, c'est pour ça que le nouveau-né mais il a comme je fais ou chaque idée. Mais dès que voilà, peu à peu, le système volontaire il échoue et relève le système sympathique. Donc c'est vrai que la miction, elle est inhibée par le sympathique, favorisée par le sympathique, par le parasympathique, inhibée par le La miction, elle est inhibée par le sympathique, elle est accélérée par le parasympathique, mais toutefois, la volonté qui décide de reprimer ou d'exprimer le réflexe. D'une manière générale, le système sympathique inhibe la motricité des voies biliaires, il va inhiber les urtères, les bronches, tandis que le parasympathique le stimule. Il faut garder en tête que le parasympathique, il s'est helkoulush.
Ou le sympathique, il s'aab kulesh. Il s'aab le transit, les matières fécales dans le côlon. Il va ralentir la motricité des voies biliaires. Il va idir les urétères bâches, inhiber la miction. Le système sympathique augmente les métabolismes de base et stimule la glycogénèse hépatique et musculaire. Kibesh tafdoha, parce que le sympathique, c'est-à-dire un état de stress. Quand je suis stressé, j'ai besoin de glucose. Pour que le glucose se libère dans la circulation, l'azm qu'on a une glycogénolyse hépatique et musculaire. Voilà. Il marque comme le cas de l'adrénaline. L'hypersensibilité, c'est rien. Donc, si je prends un organe et n'hélo les nerfs sympathiques tao ou là le parasympathique, donc n'hélo les neurones post-ganglionnaires les laisserait faire, l'organe il a tendance de synthétiser beaucoup de récepteurs parce qu'il les mettait le neurotransmetteur. Et donc il synthétise beaucoup de récepteurs. Bah, chez RG, un seul neurotransmetteur, il va les capter immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a l'hypersensibilité à la dénervation. Dénervation, c'est-à-dire n'hélo l'innervation d'un organe. Il a tendance à s'exprimer beaucoup de récepteurs parce qu'il les mettait le neurotransmetteur. Voilà. Les effets sur les différents organes, avec l'œil. Le sympathique dit que la dilatation de la pupille, c'est-à-dire le bobo et tout ça, et le sympathique dit que le parasympathique fait l'inverse, constriction de la pupille, c'est-à-dire le bobo et bien, myosis, médrias qui tout ça, myosis qui bien, le sympathique c'est en cas de danger, en cas de stress, ou bien je chauffe bien le danger. Les hommes qui toussent à la pupille, toussent à la pupille, pour faire entrer le maximum de les faisceaux lumineux. Et donc le sympathique, les hommes, ça sera une dilatation de pupille, ou le parasympathique, la myosis. En cas de stress, en cas de danger, les hommes toussent à la pupille, mais je chauffe le danger de façon claire et nette. Et donc les hommes, une dilatation de la pupille, ben je déclenche les faisceaux lumineux. Voilà. Les glandes exocrines, parasympathique, il va stimuler les glandes. Tout ce qui est tube digestif et glandes, il va les stimuler. À l'âge pour faciliter le transit, d'accord, des éléments dans l'intestin. Tandis que le sympathique, il va l'inhiber. D'accord. Dans les glandes sidorépares, cas particulier, une innervation uniquement sympathique. Donc le système sympathique, il va stimuler les glandes sidorépares. Et donc, en cas de stress, bien sûr, la personne est arrêtée. Le tube digestif. Une forte stimulation du sympathique, elle va inhiber le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la contraction de l'intestin. C'est pour ça que le système sympathique, il va inhiber la défécation. Et c'est pour ça que en cas de stress, tout déjà comme quelque chose. En fait, mais si quelque chose n'est déjà, en fait, l'intestin est comme il y a la hamzir à la roue, d'accord? Parce que le péristaltisme, le péristaltisme, c'est la contraction, ben chez le bol alimentaire, il mâche l'intestin. Et donc l'inhibition de ce péristaltisme, elle va provoquer un ralentissement du progressement du bol alimentaire, du coup, tout déjà comme quelque chose, au niveau du stress, au niveau des EMD. Le parasympathique, il fait l'inverse, il va stimuler la miction, il va stimuler la défécation, il va stimuler le péristaltisme, donc il dit la contraction, tel l'intestin, le bol alimentaire, il est chic, d'accord. Le cœur, le sympathique, il connaît le stress, il va augmenter le rythme et la contraction. Il va contracter la plupart des vaisseaux. Ce sera l'hypertension, d'accord? Qui est stressé, je mesure la tension, parce que le système sympathique est là-haut en jeu. D'accord? Il doit augmenter la pression artérielle. Le parasympathique, il diminue le rythme, donc bradycardie, sans effet sur le vaisseau, sauf au niveau de la face. Donc le parasympathique n'a aucun effet sur les vaisseaux. Mais si, parce que le parasympathique a le calme, c'est-à-dire il va relâcher les vaisseaux. Non, le relâchement des vaisseaux, il est passif. Mais la contraction, elle est faite par le sympathique. Il abaisse la tension artérielle. Voilà. Voilà, le cours du système nerveux autonome est terminé. J'espère que vous allez recueillir les principales informations faites le cours, d'accord. Je ne sais pas qui déroule le tableau avec le parasympathomimétique et antagoniste, d'accord. Et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne.